c'est une séance fessier, bas du corps. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas d'impact dans cette séance, donc ça c'est cool. C'est un format qu'on a déjà fait. Chaque exercice, on va le faire 2 fois d'affilée avec 15 secondes de transition, histoire de souffler un peu. Et du coup, une fois qu'on a fait l'exercice 2 fois d'affilée, il ne revient plus. C'est ça qui est bien. T'es prête? Avant de commencer, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et après, on va juste envoyer des petits coups de pied comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on fait un petit exercice pour le dos. On va juste se pencher comme ça. Hop. Et on va en faire 10 comme ça. 2, 3, allez, 4, impeccable, 5, 6, 7, hop, 8, hop, 9, hop, et 10. Allez, je vais allumer le chrono, t'es prête? C'est parti. Donc on va se faire pour le premier exercice un soulevé de terre alterné. Donc tu prends une haltère ou une kettle. Tu descends sur ta jambe gauche, tu reviens, tu descends sur ta jambe droite. Impeccable. Allez, je descends sur la jambe gauche, hop, je prends mon temps et je descends sur la jambe droite. Cet exercice demande un petit peu d'équilibre. Si tu as vraiment zéro équilibre, c'est vraiment très très bancal. Je te montre une option, tu mets la jambe vers l'arrière, tu descends. Tu mets la jambe arrière et tu descends. Ok? Voilà, c'est une petite variante. Pour ceux vraiment qui sont vraiment en galère avec l'équilibre, voilà. Les deux se valent, hein. Les deux options sont très très bien. Donc, t'hésites pas. 2, 1, rest. Allez, super. On lâche l'haltère et on va refaire cet exercice une deuxième fois. Les exercices, ils vont monter crescendo. Hein. Donc là, pour l'instant, t'as l'impression que c'est tout doux. C'est, ah, va pas, ça va pas durer. 3, 2, voilà. 1, je te remonte l'option. Si t'as pas d'équilibre, tu mets la jambe arrière, tu descends. Tu changes de jambe et tu descends. Tu te mets vraiment sur la pointe de pied, c'est vraiment pour que tu ne tombes pas. Et tu fais pareil, le petit soulevé de terre. Tu vas sentir également que ça tire dans l'arrière des cuisses, ce qui est pas mal. On a dit fessier, bas du corps, mais surtout fessier quand même, d'accord? Donc pendant toute cette séance, le buste sera vraiment engagé vers l'avant pour qu'en fait, à chaque fois que tu te lèves, tu tires sur le fessier, tu vois? C'est la hanche que je pousse, paf, je remonte. C'est la hanche que je pousse et paf, je remonte. À la force du fessier, à chaque fois. Que ce soit sur les fentes ou sur le soulevé de terre ou sur le squat. 1, rest. Allez, super. On va garder en fait la petite haltère. Donc, soit une kettle, soit une haltère. Et celui-là, il va être moins sympa. 3, t'es prête? 2, allez, c'est parti. 1, donc, go. Tu descends en squat, tu ne remontes pas complètement, pas chassé, squat. Pas chassé, squat. Pendant toute la durée de l'exercice, tu es très très basse, d'accord? Paf. Et je suis basse. Hop. Et je suis basse. Hop. Et je pars. Je ne me redresse pas. Je garde mon haltère à deux mains. Le dos est engagé. Les quadriceps chauffent. Les fessiers possiblement aussi. Hop. Petit squat, je remonte. Mais je remonte un peu. Je suis toujours très très basse. Hop, ça chauffe et je descends. Ça chauffe, je descends. Ça chauffe, je descends. 3, allez. 2, 1, rest. Tu relâches. Tu as 15 secondes et on recommence. Celui-là, il est sympa. Hein, il est sympa. Je vais le faire de face, ok? Comme ça, je ne ferai pas de profil. Je rattrape la tête parce qu'on va repartir. 2, 1, allez, nickel. Go. Squat, je remonte un peu, je décale à droite. Impeccable. Et je décale. Hop. Un squat, un pas chassé. Un squat, un pas sur le côté. C'est pas vraiment un pas chassé d'ailleurs, c'est un pas sur le côté. Paf. Hop. Et paf. Si ça chauffe trop, je t'autorise à remonter une fois, mais paf, tu repars. Hop. Je reste en bas. Je reste en bas. Allez, 45 secondes, ça passe vite. Vite, qu'on a 15 secondes
de transition. Hop. Cet exercice, il ne revient plus. Hein. C'est ça l'avantage. Hein. C'est qu'une fois qu'on l'a fait deux fois, c'est plié. Tu vois, plié, terminé, bonsoir. Tu relâches. On va prendre des haltères. Je vais me chauffer les haltères bleus. C'est une paire de 5 kilos. Hop. Jambe gauche, buste incliné, je descends, je remonte. Mini fente, je descends, je remonte. Voilà, le dos est droit, mais je suis inclinée vers l'avant pour engager un peu plus le petit fessier. Hop, et je descends. Et je descends. Halfway there. Hop. Après, on alternera avec la droite. On refera la gauche. Et on refera la droite. Hop. Allez, go. Le buste en avant. Hop. À la force du fessier, je remonte. 3, 2, 1, rest. Vas-y, secoue. Je ne garde pas les haltères. Sinon, ça va me fatiguer. Donc, les lâcher. On change de côté. C'est parti. On attend. Enfin, je te dis c'est parti, mais non, c'est pas parti. Attends. Là, c'est parti. Hop. Nickel. Je remonte. Je reviens pas au centre, tu vois. Ma fente, elle est là. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Hop là. Vendu. Oh, pétard. Dire qu'il va falloir faire la jambe gauche une deuxième fois. Pourquoi je m'inflige ça? Encore. Après, ces fentes-là seront terminées. Hop, je descends. Je prends mon temps et je descends. Oh là là, qu'est-ce que ça charge. Hop là. 3, 2, 1, rest. Tu relâches. Attends, je lâche ça. Je prends une gorgée d'eau quand même, je ne vais pas m'en priver. 3, 2, 1, go. Allez, go. On repart sur la jambe gauche. Je descends. Hop, je descends. Hop, et je descends. Le dos, il est engagé, donc il chauffe. Hein. Les lombaires chauffent. Le dos, ça chauffe. Je descends. Tu descends jusqu'où tu peux. Accroche-toi. C'est la dernière fois qu'on fait la gauche. D'accord? Après, on fera la droite. On est essoufflé, on n'a pas fait un seul saut. C'est le bordel. Ma petite, c'est le bordel. Encore, il reste moins de 10 secondes. Encore. Je descends. 3, 2, 1, rest. On a 15 secondes, on va faire la jambe droite. Et on aura fini pour les fentes. Après, je suis essoufflée comme un cheval. Je sais pas. Je sais pas. Allez, go. Je descends, je remonte. Je descends et je remonte. Allez, go. Allez. Impeccable. À la force du fessier, je remonte, bordel. Ok. Pas à la force d'autre chose. Si tu sens que c'est trop dur, tu peux lâcher les haltères. D'abord une, puis la deuxième. Et si tu peux tenir encore, tu te fais violence. C'est vraiment le mental qui te fera tenir. Encore. On veut affiner ses cuisses, bordel. On veut bomber le cul. Allez, encore. 3, 2, 1, rest. Oh, pétard, ça va faire du bien. On pose ça. Hop là. On va partir sur un exercice levé de fessier. On va mettre un petit poids pour corser tout ça. Parce que sinon, c'est pas drôle. T'es prête? Allez, tu lèves le fessier et tu tiens. Tu tiens. Comme ça. Ok? On rajoutera une option sur le deuxième tour. Oh putain. C'est pas possible. Voilà. Si tu sens ton fessier, en fait, touche ton fessier. Il faut qu'il soit contracté. Si tu sens que ça a relâché, tu remontes. Faut pas que tu relâches le fessier. C'est 45 secondes en tension complète. Tension tout le long. Je serre fort les fesses et je touche pour être sûre que c'est engagé.
Hop, la terre, c'est pas les mains qui la tient, hein. Elle est vraiment posée sur le bassin. Je fais juste ça pour pas qu'elle me roule sur la gueule. Le but, c'est pas de faire un accident de travail. On relâche. T'as 15 secondes pour relâcher. Le fessier chauffe. Hein. Respire. Ok, tu respires. Tu souffles. On repart. Allez, je lève. C'est que 20 minutes. Hein. Et là, on fait une adduction. On fait une adduction. Encore. Et j'écarte les cuisses. J'écarte les cuisses. Hop. Toujours avec l'haltère, tu vois. Et je descends pas. Et je vérifie que mon fessier est engagé. Le fessier est vraiment très très haut. Hein. On n'est pas là. On est là. Et on ouvre. Adduction. Abduction ou adduction, je ne sais plus. Hop. Oh putain. On chauffe. Oh, ça chauffe sa mère. Tu ouvres grand, tu refermes un petit coup. On ouvre. Oh putain, ça chauffe de ouf. On revient. On ouvre. 3, 2, 1, rest. Super. Celui-là, c'est pareil, c'est terminé. Oh putain, tu vas pas m'aimer. On va partir en squat goblette. Tu connais le squat goblette? Le squat goblette, c'est quand tu tiens tes haltères comme ça. Soit t'en prends deux, soit t'en prends une. Tu descends, tu comptes 1. 2, 3, tu remontes. 1, 2, 3, et tu remontes. 1, 2, 3, tu remontes. Vraiment les jambes écartées. 1, 2, 3, tu remontes. Oh pétard. 1, 2, 3, on remonte. Après, on fera une autre variante de squat. Entre-temps, on fera un deadlift. Oh pétard sa mère, mais pourquoi c'est comme ça? Oh pétard, je me suis fait avoir en écrivant cette séance. Tu relâches, vas-y, pose ton haltère. On va refaire cet exercice une deuxième fois, tu te rappelles. Tu peux t'essuyer la tronche, si tu transpires, tu prends ton pull. On repart. Allez, go. Je commence. 1, 2, 3, et je remonte. Allez, 1, 2, 3, et je remonte. C'est presque fini. Encore. 1, 2, 3, et je remonte. 1, 2, 3, il reste 30 secondes. Ça va être les secondes les plus longues de ma vie. Oh putain, sa mère. Mais c'est pas possible. Oh putain, sa mère. Est-ce que je prendrais pas un jour de repos demain quand même? Parce que je pense que j'arriverai plus à me lever, bordel. Hop là. Oh là là, la vache. Oh là là. 3, 2, c'est dur, hein. 1, rest. J'ai plus la force. T'as vu que j'avais plus la force. On va partir en deadlift. Hop. Deadlift, soulevé de terre. Deadlift, c'est en anglais. Soulevé de terre, c'est en français. 2, t'es prête? 1, allez. Je pousse le fessier vers l'arrière et je remonte. Je pousse les hanches vers l'arrière. Paf! À la force du fessier, je remonte. Tac. Force du fessier. Hop. Et celui-là, on va le faire deux fois. Comme d'hab. Tous les exercices, on les aura fait deux fois. Une fois qu'ils sont finis, on ne les refait plus. Halfway there. Le dos est engagé, c'est normal. Ça chauffe dans les lombaires. Parce que c'est courbaturé en fait. Enfin, moi je suis courbaturé perso. Toi peut-être pas. Oh pétard. Je descends, hop, et je reviens. Je descends et je reviens. On va s'hydrater après. 3, 2, 1, rest. Je relâche mes haltères. Nickel. Dans 10 secondes, on repart. T'es prête? Moins de 10 secondes. 3, le même exercice. 2, 1, go. T'es prête? Allez, go. Soulevez terre. On revient. Soulevez terre. Tu peux descendre à la moitié des tibias, d'accord? Selon la mobilité que tu as, c'est possible que tu descendes pas jusqu'aux chevilles, mais on s'en fout. Ok? Soulevez terre. Paf! Je remonte à la force du fessier. Soulevez terre. Hop! Et je remonte. Encore. Le dos est très très engagé, hein, parce que c'est normal, hein. Il n'y a pas que les fessiers qui portent les haltères. Il y a aussi le dos, là.
Encore. Allez, là. On y va. On en chie sa mère. Est-ce qu'on peut le dire? 3, 2, 1, rest. Oh, putain. On relâche. On a fini avec le deadlift. Par contre, on va faire un exercice sans matériel. Et celui-là, il va être dur. 1, go. C'est un squat sur les pointes de pied. Donc, tu mets sur les pointes de pied, tu descends un squat et tu remontes. Donc, c'est un squat très, très ouvert. Squat sumo, mais sur les pointes de pied. Hop, et je descends. Je n'ai pas de matériel et je n'ai pas les talons au sol. De A à Z, voilà. Ça, c'est pour les petits mollets au passage, tu vois. Je suis vraiment sur les pointes de pied. Je prends mon temps. Tu peux envoyer les bras vers le haut. Comme ça, tu es sûr que ton dos, il reste droit dans l'alignement. Et surtout, tu regardes droit devant. Il fait du bien, cet exercice sans matériel qu'on va refaire deux fois. Allez, pointe de pied. 3, 2, 1, rest. Tu relâches. On voit un petit peu. Nickel. On souffle. Il faut, c'est important. 3, 2, allez, 1, on repart. Go. Pointe de pied, je suis installée confortablement et je remonte. Je descends, je remonte. Je descends et je remonte. C'est confortable, hein, n'est-ce pas? Sur la pointe de pied. Oh pétard. Après, on partira avec des fentes alternées, toutes simples, avec haltères. Hop. Tu vas voir. Ça va être sympa. Encore. Allez là. Encore. 3, 2, 1, rest. Ah putain. Mais pour les fentes alternées, faut prendre les haltères, ma petite. Hein. Une à gauche, une à droite. Tout ça, tout ça. 3, t'es prête? 2, 1, go. Hop, allez. Fente à gauche, je remonte. Fente à droite. Hop. Fente à gauche. Hop. Et fente à droite. On se fait des petits bing lunge. Après ça, donc cet exercice, on va le refaire une deuxième fois. Et après, je ne sais pas ce que tu en penses, il ne restera qu'un seul exercice. On devra refaire deux fois. C'est la surprise du chef. On descend. Et on descend. Et on descend. Tout doucement. Encore. Oh pétard, sa mère. Mais pourquoi? Est-ce qu'on est dans cet état? 3, 2, 1, rest. Ben vas-y, hein. On s'arrête là. Je ne redémarre pas. Mon cœur n'en peut plus. Hein. Allez, c'est parti. Dans 5 secondes, on repart. 2, hop. 1, allez. Go. Fente alternée. Une à gauche, je remonte. Une à droite. Et je remonte. Hop, tu peux mettre tes haltères là. Hein. Ok, les haltères, c'est en bas ou en haut, c'est toi qui vois. Pour le dernier exercice, ça va être un squat serré, un squat large. Halfway there. Un squat serré, un squat large. Hop là, on y va. Mais ça, c'est pour après. D'abord, on termine celui-là. Il va nous rester 2 minutes de cette séance. Après, c'est terminé. Allez, go! Oh, pétard, sa mère! 3, 2, 1, rest! Oh la vache! Bon, très bien. Donc, une haltère ou une kettle, comme tu veux. C'est le dernier exercice. 3, 2, 1, allez. Go! Squat serré, je remonte. Squat sumo. Squat serré, hop! Et squat sumo. Impeccable. Et on alterne. C'est les 2 dernières minutes. Dernier exercice qu'on fera 2 fois. Putain, j'ai une goutte de transpiration qui ruisselle sur mon tibia. Mais est-ce que c'est possible? Allez, encore. On s'accroche. On n'arrête pas. 20 minutes seulement.
3 secondes. 2, 1, rest. Vas-y, tu peux poser l'haltère. Tu as le droit de t'hydrater. On essuie la goutte de transpi. Allez, c'est le dernier. 3, c'est le dernier. 2, 1, t'es prête? Go. Allez, squat en bas. 1, 2, 3, je remonte, j'écarte. 1, 2, 3, je reviens. On descend. 1, 2, 3, et j'écarte. 1, 2, 3, on fait durer le plaisir. Encore. 1, 2, 3, je remonte. 1, 2, 3. Oh pétard, c'est encore plus dur. 1, 2, 3. Oh là là. 1, 2, 3. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Bordel, elle est infaisable cette séance. Oh putain. Si t'arrives jusqu'au bout, tu mets un commentaire. Hein. J'ai besoin de savoir. 3, 2, 1, workout complete. Bravo. Je te jure, bravo. Parce que celle-là, elle n'était pas évidente. Mais moi, j'ai un reste de courbature. Donc, elle m'a semblé encore plus horrible que d'habitude. Donc, pour toutes celles qui sont arrivées au bout, Justine me dit, je l'ai faite jusqu'au bout. Une flamme, un truc comme ça, je sais que t'es arrivée jusqu'à la fin. Et bien voilà, c'est terminé. À bientôt.